Bonjour à tous, on se retrouve pour un super tuto sur un launcher pour les nouvelles ailes, pour les nouvelles Elytra, j'ai toujours tendance à dire Elytrea. Un launcher qui va être super pratique, je vous en avais montré un dans une snapshot mais qui ne fonctionne plus puisqu'ils ont corrigé quelque chose sur les hitbox. Donc là c'est une nouvelle version qui fonctionne, elle est bien mieux que l'ancienne entre guillemets puisque elle va vous permettre non seulement de vous propulser dans un premier temps mais en plus de faire des stations mid-air comme on a là-bas. Pour vous repropulser, le tout sans devoir atterrir. Vous restez en l'air avec vos ailes et vous pouvez comme ça voyager sur de très longues distances. C'est bien plus pratique que le voyage dans le Nether. Sachez que entre chaque station, là je ne l'ai pas espacé de beaucoup, hein, peut-être un peu moins de 200 blocs, peut-être 150. Vous pouvez les espacer jusqu'à 300 blocs, je crois. Hein, 300 voire 400, il faut voir. Hein, il y a une petite prise en main pour bien voler, entre guillemets, mais une fois que vous savez le faire, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vous ai fait une démo juste avant, je vais vous en refaire une. Comme ça, vous verrez exactement comment ça marche. C'est plus simple de voler en F5 généralement, mais là on va tester comme ça. Donc, la démo, hop. On vole, on rentre dans le coin, on se fait propulser, hop, et vous voyez cette station, je l'ai mis trop près, parce que j'arrive, j'ai trop de vitesse dessus. Donc on fait un petit tour, et on retourne. L'idée c'est de viser l'eau, hop, et de se mettre dans le coin ensuite, et on est repropulsé. Là par contre, voilà, ouais, cette station, même combat, cette station, je l'ai mis à 200 blocs de l'autre, et elle est trop près. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 300 blocs. Hop, on vise l'eau, on prend pas de dégâts. Et on repart et on est toujours en train de voler. Celle-là propulse moins. C'est une question de configuration. On va voir justement comment construire cette station. Donc on va se retrouver tout de suite et je vous montre. Alors, j'ai pas assez pris à cette vitesse. Hop, touc, et on atterrit. Et je vous montre comment construire cette station. Alors, pour construire cette magnifique machine, vous voyez, je suis en train d'en faire un plus loin que le troisième relais, mais pareil, hein, j'ai pas mis assez de distance parce qu'il y a 200 blocs, hein, on peut aller jusqu'à 300. Donc vous aurez besoin de ceci comme bloc, pas énormément de choses. Nous, on rajoutera quelques blocs en plus, juste pour la beauté, pour la déco. Vous aurez besoin d'un dispenser, de blocs n'importe, j'utilise des blocs de fer, de beaucoup de bateaux, de double chest, plus encore un peu plus 19, quasiment deux double chest et un chest, d'un seau d'eau, de vitres, de signes, d'une dalle, de coffre, et vous aurez besoin de ça pour initialiser le système. Donc un peu de redstone, pas grand chose, plus des coffres, chose qu'on détruira par la suite. Nous on va rajouter pour la beauté des blocs de 1.9, donc des end road et un peu de lumière, ainsi que niveau bloc, on va prendre du quartz. Hop. Oh, si j'appuie pas sur la bonne touche, je vais pas y arriver. Ainsi que du quartz. Voilà, alors, la première partie, ça va être l'initialisation de la machine. Hop, on va placer une petite forme en V comme ça, avec un dispenser derrière. Là, vous pouvez placer des end-rods, mais pareil, les deux end-rods ici, vous pouvez les remplacer par des glass panels. C'est pas trop grave. Par contre, très important, pour le reste, utilisez des glass panels. Puisque, si vous ne le saviez pas, je vais vous le montrer. Rien qu'ici, c'est juste une petite info. Les end roads ne résistent pas à l'eau, elles cassent. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement ici des glass panels. Ensuite vous venez mettre de l'eau ici, une dalle au-dessus comme ceci, et on va recouvrir avec une petite forme en V. Enfin, pas en V, non, avec un petit T. Comme ça au-dessus. Maintenant on va s'occuper de ce dispenser derrière. On va lui hooker deux hoppers sur lequel on va mettre deux double chests. Ici on va faire un mini petit système qui va être ouais, voilà, qui va être une cloque. Il faut juste faire une cloque rapide. Alors fun fact, sachez-le également. Hop, donc une cloque rapide, on la fait comme ça. On se remet en lumière du jour.
Hop, on l'active pas pour l'instant. Pour activer un dispenser, il faut que vous ayez au moins 3 de distance entre le comparateur ici et le dispenser. Si vous avez que 2 distances, c'est-à-dire que si le dispenser était ici, il ne va pas s'activer via cette cloque. Me demandez pas pourquoi, c'est une bizarrerie de la nature. On n'aura plus besoin de ça, 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 ça par contre on n'a plus besoin, ça on n'a plus besoin. Et ça on a besoin, et ça on n'a plus besoin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se give. Hop, Minecraft, Dark, Oak, But, on s'en give plein. On remplit les doubles chests de magnifiques Dark, Oak, But. Hop, donc faut tout remplir. Hein. Donc il va falloir du bois, les gars. Voilà, une fois que tout est rempli, voilà, on voit que absolument tout est rempli. On va connecter Luke avec. Une petite truc de redstone. Le dispenser et on va attendre que tous les bateaux se mettent en place. Ça va relativement vite. Alors utilisez plutôt deux hoppers hein, comme j'ai fait ici plutôt que de mettre un autre hopper relié à ce double chest là parce que en fait la cloque va plus vite quand vous avez qu'un seul hopper va plus vite que le temps que met le hopper à rebalancer un bateau. Donc voilà. Hop. Voilà, quand ça fait tic tic tic, c'est qu'il n'y a plus rien dedans. Donc on peut casser tout ça. Ça sert plus à rien, c'était juste pour l'initialisation. On va ensuite venir construire des belles choses. On va commencer par mettre deux vitraux comme ça. Hop. Ici, on va monter de deux. Et sur les côtés, pareil, on va monter de deux. Devant, nous allons mettre un bloc ici, un escalier à l'envers. Sous cet escalier, vous allez mettre deux chests comme ça. C'est très important que ce soit des chests. On remonte toujours avec la glace comme ceci. On va utiliser maintenant des petits escaliers. On va faire un truc joli, du genre comme ça. Hop. Au centre, on va pouvoir mettre un peu de lumière. Là aussi, hein, la lumière n'est pas indispensable, ça peut être n'importe quel bloc. C'est histoire de faire quelque chose de joli. Tout comme sur les côtés. Hop. Ça n'est pas indispensable. Les escaliers. C'est juste pour que ça soit plus simple. Qu'on voit rentrer dedans avec les ailes. Hop. Touc, touc. Maintenant, on va prolonger ici de 3. Mettez des vitres sur tous les côtés comme ceci. On va placer un signe ici et 4 signes comme ceci. On met de l'eau là-haut. Hop, ça coule comme ça. Et la machine est terminée. Dernière chose. Pour que ça marche bien, vous voyez là tous les bateaux sont l'un sur l'autre. Il faut rentrer un petit coup dans ces bateaux, vous êtes propulsé en arrière, pour les décaler un peu, pour les répartir équitablement. Là ça va, donc faites-le une fois de chaque côté. Il faut que le pattern au milieu ressemble à ça là. Vous voyez à ce que vous voyez avec les petits. Là il vous faut une belle ligne avec une autre ligne ici et les petits coins comme ça. Donc une fois que c'est comme ça, bah, tout est fait. Il vous reste plus qu'à. Le tester. On va se mettre en game mode 0 et on déclenche les ailes. Hop. On rentre dans l'eau. On va sur un côté, côté droit ou côté gauche. Et vous voyez qu'on est repropulsé dans l'autre sens. Et on a gagné pas mal de vitesse. Alors là, je sais pas si je vais réussir à relatteindre. Si. Hop. Hop. Et on teste dans l'autre sens. Ça fonctionne. Et voilà, vous avez un magnifique launcher, donc très 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 simple à construire. Sachez que globalement. Non, game mode 0. Allô? Merci. Sachez que globalement, sur les côtés, tout ça n'est pas utile. Vous avez besoin en fait que de l'eau, les signes évidemment, les vitres, c'est très important, les vitres sur les côtés, les chests ici sont très importants, et la partie basse. Le reste, c'est de la déco autour, c'est pas indispensable. Les blocs ici, par contre, sont assez importants
pour pas pour être pro, pour être guidé un peu dans la propulsion. Et souvenez-vous, quand vous entrez dedans avec les ailes, plaquez-vous contre les vitres sur les côtés. Si vous plaquez pas contre les vitres sur les côtés, vous risquez d'atterrir ici au milieu. Le problème en atterrissant au milieu ici, c'est que du coup on atterrit sur cette petite barre là. Du coup, les ailes ne se déploient plus. Et si ensuite vous êtes propulsé, il faut repenser à réactiver les ailes. Sinon, vous avez vu, vous êtes tout de suite freiné par l'air. Donc c'est un petit peu gênant. C'est pour ça aussi que pour la toute première plateforme de lancement qui est au début, je vous conseille de faire un peu plus loin un endroit de là où vous décollerez vraiment. Ces machines-là, il vaut mieux y rentrer en volant déjà. C'est plus simple d'utilisation, on va dire. Et vous avez vu, voilà, on peut naviguer comme ça. Donc voilà, hein, vous voyez cette petite plateforme qui est pas très très loin. Et je vous conseille de construire ça à au moins 30 blocs au-dessus de votre sol pour pas avoir de soucis. Ouais, là, je vole, hop, on rentre dedans et là, comme ça, on est directement propulsé. Je me demande si, ah, je me suis demandé si je pouvais atteindre directement le deuxième. Ouais, je peux. Donc voilà, il y a quasiment 400 blocs hein, entre ces deux-là. Donc ouais, on peut les espacer de 200. On peut les espacer de 400 blocs, je pense. 400 blocs, c'est l'idéal. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour re-rentrer dans une station. Voilà, j'espère que ce petit launcher vous aura plu. Pour info, le modèle de création de base, c'est de. Alors, je crois que c'est de GT Experience, parce que je l'ai vu à différents endroits, mais il me semble que c'est lui qui l'a créé. GT Experience, je mettrai un lien dans la description. Sachez également que pourquoi ça diffère de celui qu'on avait vu en snapshot avec les vaches, c'est parce que là on utilise des bateaux, l'utilisation des vaches ou d'autres types d'entités, ça a été fixé. Donc vaches, villageois, etc. Normalement ça a été fixé. Les bateaux par contre ça marche parce qu'ils ont des plus grosses hitbox. Et d'ailleurs c'est mieux, ça fait moins de bruit que les vaches. Voilà, sur ce je vous dis bon dimanche, je vous fais des bisous et à bientôt en 1.9. Ciao ciao ciao!